Et bonjour YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Watch Dogs Legion. Watch Dogs Legion. Il faut qu'on examine The Stage. Donc là on vient de se TP en mode... Attention, attention, tout va bien se passer. Ouh, on vient de se TP dans le métro les gars, on va voir, on est juste à côté là. Il faut que j'examine un truc, ça a l'air assez incroyable. 100 mètres. 90 mètres, faut que j'entre là-dedans. C'est la marée chaussée ça? Non ça va. À mon avis, faut que je passe... Salut. Ah oui, c'est totalement là, non? Ah non, c'est pas du tout là. Si? Non, c'est dans la rue derrière. Oh la tristesse. Attends, à moins que... Oh, que c'est beau! Vous êtes près du repère des Machide. Allez voir si vous ne pouvez pas trouver un indice. Bien reçu, je m'en occupe. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Là, là, là! Bouge pas! Ouh, c'est une... Oh putain, c'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Ah, bon bah, à bientôt. Il était sympa ce gars, kidnappé. Et quoi? Donc on fait comment pour le récupérer, perso? Ah, j'ai bien envie de prendre lui avec sa grosse sulfate. Hein? Ouais, je l'aime bien lui. En vrai, avec sa grosse sulfate de barbare là, matraque et tout, franchement, il est bien lui. Je vais le jouer un peu pour voir. J'ai joué qu'une fois, j'ai bien kiffé. Il a le même casque bon en plus, incroyable. Alors. Désolé pour cette terrible nouvelle, mais l'un de vos coéquipiers vient de se faire kidnapper. Sans déquin. C'est quoi ça? C'est forcément un coup des Sœurs. Ils sont trop cons chez Albion pour faire ça tout seul. Mais la question, c'est pourquoi? Why? Facile. Ils sont en train de le torturer pour en savoir plus sur Malik. Cela m'a paru évident dès cette réunion où Emma disait vouloir, je cite, enlever quelqu'un et le torturer pour en savoir plus sur Malik. Ah ben, oh putain, ils vont torturer le chauve. Il faut qu'on trouve Malik. Bugs, il doit bien y avoir un moyen de lui envoyer un signal. Bien sûr, je vous ai marqué une position. Malik était tellement pressé de filer qu'il a oublié de crypter son dernier message. Deuxième personne dans l'icône ressemble à Doug Brown. Un retour dans le futur, ouais, peut-être. Oui. Et Doc? Malik a un balai dans le cul enfoncé tellement profond que ça lui contrôle le cerveau. Il a un balai dans le cul. Il devrait avoir réalisé son erreur et bouger, mais il doit certainement surveiller l'ordinateur de cette planque. Ça a l'air incroyable ça, un balai dans le cul. Est-ce que je peux TP vers là? Ouais. Parce que bon, c'est un peu loin, non? Yes, let's go. Let's go tonight. Allez, dis-moi qu'il y a un petit scout devant cette station de métro aussi. Cherchez la planque de Malik au County Hall. Y a pas de scout. Oh la truc de métro. Oh, y a une moto, ça va. J'allais dire la bouche de métro de merde. Ça va, y a une moto. On va pas se plaindre. Bon, on pourra préférer un petit scout, hein. Ça rappelle la jeunesse. Attention par contre. Regarde où tu vas, priorité au... Ce qui se passe dans ce banco là. Alors, où est-ce qu'on va? Ouah, c'est rouge fluo l'hôpital sur mon écran là. Ouah, il est rouge fluo l'hôpital. Carrément des lignes rouges du genre. Ah, mais non, c'est partout en fait. Hein, ça. Ce qui est rouge quoi. Tout droit. Ensuite à droite, ici. Ouais, ça a l'air pas mal. Et c'est là-haut. Tac, comment on rentre? C'est quoi ce bâtiment de fifou là? La planque de Malik se trouve dans les environs, mais elle est sûrement bien cachée. Essayez de chercher une brique de couleur étrange ou un levier suspect. Très très bien. Une brique, bah, genre ça? Ah non, merde, je suis con, pourquoi j'ai cliqué là-dessus hein. On fout de ça. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Pour conserver les avantages de l'accès avec tenue, évitez de trop vous approcher des gardes. Ah mais c'est bien ça. Avec lui, je vais pouvoir me faufiler dans tous les sens avec tout en fait. Bon, sans abuser. Hop. Hop, il vient connu. C'est quoi, c'est ce truc qu'il faut activer là? C'est pas un problème. Je sais pas comment je vais passer d'un bâtiment à l'autre, mais on va bientôt le savoir. Salut. Salut toi. Comment est-ce que vous êtes pour gérer ça? Ah, désolé. Hop, il y a une clé. J'y entre. On télécharge, les gars. A été hospitalisé après avoir été blessé par l'agent Kazuya Ito. envie de la prendre. Hop. Comment je vais faire pour monter là-haut? C'est ça la question. Je peux pas l'activer ni quoi que ce soit, ça. Je m'en fous de ça, moi, je veux ça, là. Par là, tu crois que j'arrive à monter? En vrai, je peux. Hein. Je peux. Ah, putain, comment je vais faire? Je fasse le tour par là-bas, c'est ça? Ah, faire. J'ai pas le choix. Je suis obligé.
Donc le tour par là-bas, c'est-à-dire... Comment je monte là-dessus là ? Je fasse le tour par là. Ok, c'est par là, c'est par là. Il y a des agents un peu partout. Rien de bien... bien folichon non plus. T'as des mines de partout là. Il y a des mines de partout et j'ai pas... Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai pas... je l'ai pas équipé mon bonhomme. J'ai qu'une sulfate et un boui-boui. Et ça en gadget. J'espère qu'il y aura pas de drones. S'il y a des drones attaquants, machin truc là, c'est vraiment la merde. Bon après je lui sors la distilleuse et... ça peut aller vite hein, un coup de distilleuse. Ils ont trouvé le corps ? Il s'excite là. Il y a des mines de partout, mais j'ai jamais vu un délire pareil. Qu'est-ce qui lui arrive à lui ? Il a dû voir le corps. Est-ce que je peux pas lui sauter dessus à l'Assassin's Creed ? Petit saut de l'aigle. Oh ! Je l'ai tué ! Je l'ai tué en lui sautant dessus. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Ce levier semble plutôt louche, n'est-ce pas ? Oh quand ça c'est de l'arme les mecs. Oh je le kiffe ce personnage, ça y est. Bon est-ce que j'ai bien fait de tirer ou pas? Je pense que la réponse est vite répondue. C'est probablement non. What? Tu veux bien? Oui, oui, il semblerait que Malik ait mis les bouchées doubles sur la sécurité. Et étant donné qu'il est à la fois expert en sécurité et complètement parano, attends, je sais pas si vous pourrez y arriver. De quoi? Mais c'est quoi ce délire hein? Non, pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Mais moi si. Ça vous a plu, le truc du drone? Pas mal, non? Ouais, bravo, Bax. Merci okay, à vous. Il y a un gros, s'il gros drone. Nous savons sur Malik, c'est qu'il se je sais pas où il est, mais il est pas loin. Il est là-bas en bas. Ce qui implique que dès que je me lancerai, des drones ou des machins dans le genre viendront s'en prendre à moi. Alors protégez mes arrières, d'accord? Ouais, ça marche. Oh, des hangars à drones. Je l'ai distillé. Oh, je le distille tellement. Des faux discours et des drones de sécurité, vous n'aviez rien de mieux? Piratez-moi ça. Oh, je m'appelle Malik et je crois que je peux analyser des fichiers des sœurs plus vite que Magli. Mais j'utilise des sauts de proxy automatisés pour renforcer ma sécurité. Mon dieu. Bon, vous êtes prêts? Toujours, Max. Oh, cool. Qu'est-ce qui me vise, là? Mais tu me connais pas, mon champion. Sérieusement, Malik? Vous pensiez que j'allais ah, c'est lui qui est en train de me le faire? Cette énorme. Chose indéfinissable? Ouais, je trouverai une formule plus tard. Quoi. Oh putain, un gros là. Voilà pourquoi il y avait autant de mun, les mecs. J'ai plus que 25 balles. Help. Oh merde, pourquoi je vois plus rien? C'est quoi ce bordel? Je vois rien. C'est quoi ce gaz de mort? Il y en a combien, les gars? Attends, il se fait tirer dessus au missile? Me revoilà. Empêchez-les de m'importuner. Oh putain, j'ai plus de balles. Merde, ils l'ont niqué en plus. Putain la merde. Oh je suis au piou-piou les gars. On va rigoler là. Ça va être chaud de... Ça va coûter des balles ça. Il faut des mines hein. C'est pour ça qu'il y avait autant de mines. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ma photo? C'est du nougat? Mais c'est qui vous, êtes, cela? Si vous empêchiez les drones de m'attaquer. Bah, non, mais je suis en train de faire quoi, là? Un barbecue? Il en est où, aussi, lui? C'est marrant. Ah, oh, encore un gros, putain. D'accord, si j'inverse cette partie-là, comme ça, et que
j'injecte ce script par ici et hop. Ah non, ah ouais, mais non, j'ai plus non, j'ai ça plus ne marche pas du tout. Zut. Ah bah alors lui carrément, comment te dire, lui il me tire dessus au lance-missile le bordel. Vous savez, cela irait beaucoup plus vite si vous empêchiez les drones de m'attaquer. Bah, je fais ce que je peux. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y en a 50 000. Il y en a des très très gros. Donc je fais le max. J'ai ouvert tous les trucs de munitions avant de commencer comme un connard. Encore un gros, putain. Oh, j'ai plus de balles. Ok, donc là c'est la merde. Là par vous contre, savez, je pense cela que irait beaucoup plus vite si vous empêchiez les drones de m'attaquer. Restez ouais, je sais, tu m'as déjà dit. Un gars là-bas. Ah, ça y est. Vous pensiez que je serais obnubilé par les petits détails subtils et que je passerais à côté de la structure globale, Malik ? C'est loin d'être bête, à vrai dire, mais pas autant que moi. Enfin, je me comprends. Est-ce que je suis en train de crever ? Par hasard. Je pense que la réponse est un petit peu oui. Comment te dire ? La prochaine fois que j'aurai autant de munitions, je les ouvre pas toutes parce que... Sinon on va pas y arriver. J'avais 3 trucs de mun, j'en ai ouvert 2 sur les 3. on s'est vite retrouvé à court en fait. Mais je pense que c'était fini là. C'était fini je crois. C'est malheureusement fait embarquer par Albion. A vous de jouer. Ça craint. Mais on a un travail à finir. C'était presque fini en tout cas. Ils vont me laisser rentrer sans m'emmerder. Je crois qu'il avait déverrouillé le truc, non ? Non, faut que je réactive là-haut. Non, faut recommencer ? Non. Ah putain, il y en a là des mules. Fallait que je descende. Ah, je me suis fait griller, je crois. Bon, ça va. Je crois qu'il faut qu'il recommence. Du début. Ah, il y a des mules de partout, donc ça m'étonnerait pas qu'il faut recommencer au début. Ah, c'est elle qui ressemblait au doc. Ah. La pauvre. Ils s'en foutent de moi, les drones, là. Ça m'arrange, hein, je vais te dire. Oh! Je peut pas là. Ce levier semble plutôt louche, n'est-ce pas ? Ah ouais, il va vraiment tout recommencer dès le début ? Non, me dis pas que c'est pas vrai. Me dis pas qu'il va tout recommencer dès le début. Ah si, incroyable. Toi, tu dégages. Mais moi aussi. Ça vous a plu, le truc du drone ? Pas mal, non ? Bon, tu actives ton huc. Ah, ça y est, c'est bon. S'il y a une chose que nous savons sur Malik, c'est qu'il se croit beaucoup plus intelligent qu'il ne l'est vraiment. Ce qui implique que dès que je me lancerai, des drones ou des machins dans le genre viendront s'en prendre à moi. Ouais, bah on le sait. Alors protégez mes arrières, d'accord ? On va essayer, tonton, on va essayer. Je m'en charge. Oh, des hangars à drones, je le savais. Oh, allez, Malik, donnez-nous un peu de fil à retordre. Des beaux discours et des drones de sécurité, vous n'aviez rien de mieux ? Bien, dis-moi ça. Oh, je m'appelle Malik et je crois que je peux analyser des fichiers des Sœurs plus vite que Bagley. Mais j'utilise des sauts de proxy automatisés pour renforcer ma sécurité. Mon Dieu. Bon, vous êtes prête ? Allez, on y va. Cool, Raoul. Ah, et puis il se déplace à une vitesse. Ok, il s'arrête quand il lui tire dessus. Sérieusement, Malik ? Vous pensiez que j'allais me laisser berner par cette chose indéfinissable ? Okay. Ouais, je trouverai une formule plus tard. Oh merde. Voilà, comme ça, ça je le dégage instant. Oh, je l'ai eu, hein. Je l'ai eu, dis-toi. Ok. Deux, donc je pourrais en tuer encore un autre. Je vois pas mon. Je ne pourrais pas pirater sa plante si vous ne me débarrassez pas de ces drones. Allez, nouvel essai. Oui, mais c'est vrai que je te débarrasse pas des drones là. Ils sont ouf. Oh, il y en a deux gros qui arrivent là. Ok. Faut des mines.
vous savez, cela irait beaucoup plus vite si vous empêchiez les drones de m'attaquer. Mais je fais quoi là? Il m'en fout lui, il met la pression en plus. Ouf, oh j'ai touché là-dessus là. C'est où, c'est où? Die toi, die. Je te les nettoie, mais quelque chose de correct, hein. Ah, il est derrière, lui, il est sous. Et il y a un gros. Merde, j'ai plus de balles. Ça va péter, ça va péter. J'ai plus de balles, les gars. Me revoilà. Empêchez-les de m'importuner cette fois. Ah, j'essaye, 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 gros. C'est pas... Dégage. Charge des mûnes en fait. Non, 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 faut pas que je die. Faut surtout pas que je die. Oh, mais c'est trop dur ici. Y'a trop de monde. T'as un super shot cette mission. Tous les autres. Faut que j'attende après 26 minutes, je vais pas y arriver. Et lui, il a quoi comme, comme stuff? Alors lui, avec sa clouteuse de ses morts, hein, il va pas aller loin. Il faut que je change de... Enfin, je vais essayer de prendre lui, mais qu'est-ce que je peux prendre pour les désarçonner, ces trucs de merde? Parce que il me démonte, hein, il y en a trop. Il y en a trop, en fait. Dommage que j'ai pu amitrailler de l'autre, mais... ...ces quartiers dans une cellule d'Albion. C'est devenu aussi horrible que ça, les loyers à Londres. Ah, merde. On a... Attends, qu'est-ce que je peux lui équiper pour... Que ce soit un peu plus tranquille. Hein. Petit pistolet mitrailleur. Munition paralysante. Ouais. Essayez de lui mettre ça. Deuxième. Ah, je sais pas pour le pistolet mitrailleur. Hein. Vaut mieux prendre un pub. Je pense que je me sentirais mieux avec un gun comme ça. Faut peut-être un gadget. C'est quoi ça? Piège à impulsion électrique. Mine adhésive non létale qui électrocute les ennemis et inflige de lourds dégâts aux drones et aux véhicules. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Faut que j'arrive à le coller sur un... Ouais, ça peut me permettre d'en défoncer. Petit drone qui fonce droit sur une cible dont l'impact est létal. Est-ce que ça marche avec les autres drones et tout? Ça c'est quoi? Arachnobot incapacité à un court porté muni d'une tourelle automatique et d'une armure. Je pense qu'on va prendre ça, non? On va essayer avec ça. Après j'ai plus de bonhomme. Faut que ça passe avec lui parce qu'après j'ai plus de bonhomme. On va essayer comme ça. Vous savez, cela irait beaucoup plus vite si vous empêchiez les drones de m'attaquer. Ah ouais, la ouais, planque bah, de Manic se trouve dans les environs, mais elle est sûrement bien cachée. Ouais. Essayez de chercher une brique de couleur étrange ou un levier suspect. Ah merde, mais je suis où là? Attends, je peux arriver par là tout à l'heure. Je suis où là? Ah, je suis arrivé par là. Oh putain. Le truc c'est qu'ils sont tous là du coup les drones. C'est pété de drones, ah ouais, du coup faut les buter eux. Et tu tires ou? Comment ça se passe? Quoi? Qu'est-ce qui me vise là? Ok. Un autre gros drone encore, non c'est un petit. Il y en a un gros derrière là-bas apparemment. C'est good. Bon, donc, ça a l'air super shogun hein, quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je sais pas si j'arrive loin ou si je suis loin ou pas là en fait. À chaque fois. Si je suis à deux doigts. À chaque fois la fin que c'est la merde. C'est quoi ça? Il y a quoi là-dedans? Que dalle. Ce levier semble plutôt louche, n'est-ce pas? Bon allez, on relance, on va voir. Ça c'est super chaud hein. Eh ouais, il faut qu'il se bouge aussi l'autre avec son drone là. Mais 8 ans le gars. Il est marrant lui. Il y a des munes là. Je suis bien, j'ai de la mune. Moi aussi. Ça vous a plu? Joue, arrête de discuter. Pas mal, non? Ouais, bravo Bax.
Merci à vous. S'il y a une chose que nous savons sur Malik, c'est qu'il se croit beaucoup plus intelligent qu'il ne l'est vraiment. Ce qui implique que dès que je me lancerai, des drones ou des machins dans le genre viendront s'en prendre à moi. Alors protégez mes arrières, d'accord? Ouais, bah on va essayer. Ouais, arrête marche. De discuter et joue. Des hangars à drones. Je le savais. Oh allez Malik, donnez-nous un peu de fil à retordre. Des beaux discours et des drones de sécurité, vous n'aviez rien de mieux? Piratez-moi ça. Oh, je m'appelle Malik et je crois que je peux analyser des fichiers des sœurs plus vite que Bagley. Mais j'utilise des sauts de proxy automatisés pour renforcer ma sécurité. Mon dieu. Bon, vous êtes prêts? Oh merde. Toujours. Oh putain, alors celui-là j'ai galéré. Raoul. Ok. Sérieusement, Malik, vous pensiez que j'allais me laisser berner par cette chose indéfinissable? Ouais, je trouverai une formule plus tard. Quoi ça? Après ça, je suis déjà en train de me faire défoncer. Je viens d'arriver. Ça c'est insane. Attends mais je veux. Attends mais elle se méprise, attends mais c'est un truc de ouf! Je suis déjà vous en train de me faire démonter. Plus vite si vous empêchiez les drones de m'attaquer. Réessayons. On essaye. En vrai, je vais me cacher là quand j'aurai des soucis. Ah bon. Ah, je préfère. Ouais. Là, tu dégages. Ok, ça, ils arrivent sur ma gueule. Help! Vous savez, cela irait beaucoup plus vite si vous empêchiez les drones de m'attaquer. Réessayons. Oh, bah, c'est pas grave s'il meurt, de toute façon, il revient. Moi, je les bute tranquille, je me cache pour pas. Voilà, beaucoup plus simple. Par contre, je vais vite avoir plus de mine. Il reste déjà plus de 4 mines de ça. Quand il est en vie, il faut absolument que j'aille chercher des mines. C'est là que ça devient la merde. Tu vois, ils sont tous en train de me tirer dessus. C'est la merde. Je ne pourrai pas pirater sa planque si vous ne me débarrassez pas de ces drones. Allez, nouvel essai. Parce qu'on peut. Quoi? Il me reste 7 balles. Je ne pourrai pas pirater sa planque si vous ne me débarrassez pas de ces drones. Allez, nouvel essai. Okay. D'accord. Si j'inverse cette partie-là, comme ça, et que j'injecte ce script par ici, et hop. Ah non, 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 ça ne marche pas du tout. J'ai jeté un truc anti-drone, je sais pas quoi. Aïe! J'ai pas trop vu la diff. Hein. Oh la vache, mais il me démonte en 2-2. Oh, je l'ai pas eu? Oh la tristesse. Me revoilà. Empêchez-les de m'importuner cette fois. J'ai plus que 2 balles. Que je suis arrivé, je crois. Humilié par les petits détails subtils et que je passerai à côté de la structure globale, Malik. C'est loin d'être bête, à vrai dire, mais pas autant que moi. Enfin. Allez, go. Je me comprends. Ah, bah, je survivre en fait. C'est quoi ça? Un bonhomme? Un bonhomme qui bug? Putain, c'est quoi? Ah, c'est un bonhomme qui bug. Hop, ça dégage. Oh, des mines. Alléluia, mes frères.
Alors, let's go. Waouh, c'était sport ici, hein. Beaucoup de drones, bon, fallait juste survivre, mais bon, ça envoyait quand même un peu du poney, mine de rien. Message encodé avec le code secret utilisé par lui et programmé pour qu'il se répète toutes les 15 secondes. Perfect. Beau travail, tout le monde. On n'a plus qu'à convaincre Malik de nous aider à libérer notre collègue. Il y a un Jean-Jean derrière moi. Et... merci. Dégage. Je sais que c'est flippant, tout ça, mais vous assurez. C'est un honneur de bosser avec vous. Pareil. Ah. Oh merde. Ah, ça, c'est pas de chance. Quoi? Tiens, je dégage. Next. Ah oui, lui il a vraiment... lui, il est vraiment en PLS. Hein. Lui, pour le coup... Quoi? Même des drones à l'extérieur, quoi. Allez, je t'ai sauvé, gros. Allez, hop, ça dégage. Waouh. Me dis pas qu'il y a un... Oh merde. Faut que je m'échappe, se rendre en lieu sûr. Let's go. Alors maintenant, ils me courent tout le temps, les bâtards. Attention. Ne inquiétez pas, tout va bien. Je maîtrise. Oh putain, y a un flic en face. Il m'a vu. Oh, il m'a vu à 10 km. Détruisez le véhicule de la cible. C'est bon? Est-ce que quelqu'un a vu la cible? Quelqu'un? On va le faire. Quoi, il est derrière moi? Il m'a vu tourner? Le bâtard, il m'a vu tourner. Appel entrant depuis une source cryptée inconnue. Je parie que c'est Malik. C'est Shogun. Passe-le-moi. C'est Malik? Très bonne excuse pour me menacer, ou notre conversation va tourner court. Et Macha, il a chopé un de nos gars. S'il se met à parler, ça risque de mal tourner pour nous. Et pour toi aussi. Je vois. Il se trouve que je surveille Emma de près. Mais j'ai une condition. Les explosifs sont toujours introuvables. Et si je veux les récupérer un jour, il faut capturer Emma vivante. D'accord. Okay. On va essayer. Donc, les sœurs interrogent certains détenus sur des sites de construction. Oh merde. Des endroits isolés, pratiques pour cacher les cadavres. Et selon mes sources, Emma vient d'arriver sur l'un d'eux. Oui. Et si ton agent n'a pas encore craché le morceau, ça doit être là-bas qu'elle le retient. Ouais, ça marche. Plus il restera en captivité, plus Emma aura le temps de l'interroger. Retrouve ton ami avant qu'il ne parle et capture Emma. Ça marche. Ok, bah c'est juste là. Je suis juste à côté. Pas de soucis. J'ai regardé ton vidéo sur l'opening d'orbe de RS. J'ai rigolé, je démouline un petit. Ah, on était. Quoi? Oh merde! Excuse! Pardon. Je. Tiens. Oh! Elle a. Oh! Elle a clé à molette! Allez, ça dégage! Allez, merci d'être passé, ciao. Ah ouais, non, mais l'opening RS était monstrueux le jour de mon anif là. C'était incroyable. Voici le chantier où Malik pense qu'Emma Child retient notre agent. La sécurité y est aussi élevée qu'un rooftop en pleine Fashion Week. À vous de jouer. Entendu. D'où il est venu en voiture, lui, tu m'expliques? Ah, il y en a deux autres encore. What? J'ai un appel. Bizarre, ce n'est pas... Arrêtez! Bande d'abrutis! C'est qui, là-haut? Emma Child, directrice du contre-terrorisme aux sœurs. Merde, mais laissez-moi tranquille, en fait, les mecs. Terrible erreur. Il ne faut pas faire... Parlez-vous de mon canal. Veuillez m'excuser. J'ai mis du temps à déjouer ce piratage. T'inquiète, Bagley. Point positif, on dirait que Malik nous a bien aiguillé. Attends, Child je le touche pas, nous. Charlie garde sans doute un agent sous la main pour faire pression. Vous devriez le trouver en même temps que Child. Mais non, mais c'est quoi ce délire? Please. C'est rassemblement, c'est... Y a un départ ou quoi? Bah ouais, je vous pique une voiture. Je m'en fous. Je me connais pas. Ah, faut que je perde ces étoiles de la GTA. Là. Oh putain! Oh, ça, c'est de la voiture de fou, ça. Oh! Waouh! Mais elle est énorme, cette voiture. Eh ouais, pousse-toi. Tu vois pas que je me fais poursuivre, bordel. Ah putain, un drone, il m'a vu, le bâtard. Allez, faut que je perde vite. C'est bon. Putain, je pouvais pas faire ma quête. Parce que j'ai écrasé le flic de tout à l'heure. Votre partenaire a voulu jouer avec le feu et se retrouve désormais derrière les barreaux. Difficile de résister à l'oppresseur lorsqu'on est enfermé, n'est-ce pas? Vous ne vous reverrez pas pendant quelques temps. Petite astuce de pro, pourquoi ne pas recruter un avocat dans votre équipe? D'accord, on n'aime pas trop ces gens-là, mais ils ont leur utilité. Bah, si t'as rigolé, c'est cool alors. C'est cool. De vos moi aussi, je me suis tapé des bonnes barres. Le live du sort de la NIF, là, c'était incroyable. C'était juste incroyable. Je les invite. Ah ouais, sauf que tu t'abuses. Tu t'en fais un peu trop là. Ah, c'était énorme. Franchement, c'était une soirée de ouf.
taper des bonnes barres de rire. Sauver l'agent DedSec. Ouais, ben c'est ce que je venais faire à la base, mais je me suis bien. Ils m'ont pas lâché les mecs. Ce n'est pas. Arrêtez, bande d'abrutis. C'est qui là-haut? Emma Child. Emma Child. Directrice du contre-terrorisme au CERS. Emma Child. Vous êtes en train de faire une terrible erreur. C'est quoi, c'est un pouce, hein, qui sont en train de construire? Parlez-vous de mon canal. Veuillez m'excuser. J'ai mis du temps à déjouer ce piratage. T'inquiète, Baggy. Attends, X pour voir le menu de personnage et vous équiper de l'accès à la tenue. Child garde sans doute notre agent. Bonjour. La main pour faire pression. Vous devriez le trouver en même temps que Child. Je peux pas. Réduire la vigilance ennemie sur les sites de travaux activables. Indisponible. On y va comme ça, hein. Venez comme vous êtes. Hein. Ça me dérange pas, perso. Faut que je descende en dessous, là. Par où? C'est-à-dire. Ah, par là. Moi, je sors mon pupu, je désingue tout le monde, on va pas le faire. Ok, lui, il a une clé déjà. Je suis hors de portée. J'aurais pas dû faire ça. Salut. Quoi, t'es un garde, toi? Je lui mets des coups à C'est qui le lion maintenant? Bon quoi, du coup je tombe un peu plus bas que prévu. Un petit peu dégoûté. Ouais mais je pourrais pas sauter là, c'est pas Eivor. Comment on remonte dans cette merde? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est un piège. Tristesse. C'est que c'était quelque chose de plus fun, hein. Plus bigarré quoi. Comment on monte les gars? Je suis tombé, hein. comment on monte? Ah bah par là peut-être. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que je fous dans ce point à la con là? Salut. Bon. Bon, il a rien grillé. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut aller là-bas. C'est quoi là-bas? C'est où déjà? Plus haut. Ah, attends. Regarde. Mon avis. Tape. Ah, je peux pas. Pourquoi je peux pas taper? Je peux pas le taper ça. D'accord. Bizarre, d'habitude je peux le casser ça. Je peux pas le casser là. Comment ça se fait? Non, parce que sinon je vais y aller avec autre chose. Hein. Je t'explique. Toi tu vas me plomber? Toi tu vas me plomber? Lequel va me plomber? Dis-moi lequel! Lequel va me plomber? Toi peut-être? Ish! Qui? Next! Mais venez tous en fait! C'est qui me tire dessus là? Hein? Hein là-bas? Ah oh, mais c'est lui qui a la clé en plus. Viens. Viens sur le bord, voilà, que je puisse te ponctionner ta clé. En te mettant une petite balle dans la tête comme ça. T'es courant que ça fait du bruit ton truc? Oh, t'as pas aimé ce que t'as pris toi. Toi je pense que tu n'as pas aimé ce que tu as pris. Hey, salut. Une balle dans la tête à bout portant comme ça. Comme dans les films c'est vital. C'est y'a que 50 Cent qui a survécu gros. Ah oui, mais lève-toi. Oh, je lui fais pas de dégâts. Ah, lui, je lui fais pas de dégâts. Hein. Je suis peut-être un peu loin. Avec mon lance... Ah, c'est bon. Mon lance clou-clou, là. Toujours dans la finesse, ça fait plaisir. On aime le gameplay d'infiltration. Je sais même plus ce que je suis venu chercher, au fait. Hein. Voilà. C'est ce qu'il me faut. Indisponible pendant une poursuite. Ah, tout va bien. Hein. Personne ne me poursuit, je crois. Si. Il en reste. On parle de quelle poursuite là? Ah, ça y est, c'est fini. J'ai trop compris quelle poursuite. Hein. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans ce toilette portatif de Albion. Ouh. Système de chatouille. Oh putain, ça pue. Ça pue. Tu veux savoir pourquoi je l'ai pas fait? Parce que t'es trop conne. Parce qu'on a quelque chose en commun. Tu vois, on est deux à s'être fait avoir par Malik. Regarde ça.
Le nouveau contrat de surveillance d'Albion, comme promis. Tout est bon de votre côté ? Oh, absolument. Mais d'abord, vous allez m'en dire un peu plus sur cette affaire. Bon. J'ai infiltré un groupe terroriste du nom de DedSec. Je suis en train d'organiser une rencontre avec eux. Vos hommes vont me capturer avant qu'ils n'arrivent. Ça doit avoir l'air vrai. Personne ne doit savoir. Vous ne manquez pas d'imagination, Richard. Mais qu'est-ce que vous avez à y gagner ? La mort des terroristes. Je n'ai pas encore de preuves. Mais je crois que Malik était impliqué dans l'attentat. Et sa dissimulation. En plus, je crois que lui et sa clique de complotistes prévoient de recommencer. C'est ton plan d'après lui. Bah voyons, c'est une bonne technique. Pour faire passer un mensonge, autant l'enrober de vérité. Donc là, on est juste censé te faire confiance. Je pensais plus à un échange de bons procédés. Je détiens ton agent. Aide-moi à tuer Malik, et ton agent survivra. Cette porte sera déverrouillée dans 30 secondes. Ben ok, on accepte, on n'a pas trop le choix, non ? J'ai plutôt envie de lui dire oui, quand même. Ah ben d'accord. Oh, j'ai un masque rose. Incroyable. Attends, quoi? C'est Malik qui coordonne Zero Day? Impossible de le confirmer, mais c'est fort probable. Ce qui est sûr, c'est qu'il a clairement l'intention de nous porter un coup fatal. Vous savez ce que j'en pense, mais je suis con, en fait. C'est à vous de voir. Faut pas que je passe par là pour remonter. Faut que je bouge là, c'est ça? Moi j'aime pas ça. Ouais, faut que je passe par là. En plus, c'est le meilleur moyen de récupérer notre agent. D'accord. Alors comment on procède? Si vous me demandez sérieusement comment tuer Malik, j'ai des idées. En pagaille. Ah, du coup, maintenant on va le buter? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire sortir de son trou et de l'abattre? Oui, cela pourrait marcher, mais cela manque un peu de panache. Ne pourrait-on pas au moins l'empoisonner? On l'a jamais fait, ça encore. Merci pour l'idée, Bags, mais le dégommer, ça me va très bien. Ouais, l'empoisonner, c'est cool aussi. Je vais contacter Chang. Et bien pour lui dire qu'on accepte son arrangement. Mission actuelle accomplie, une preuve irréfutable. On sait que c'est Malik. Va falloir le supprimer. Mission commencée, feu croisé, incroyable. Il y avait pas un truc vert si. J'ai Malik en ligne pour vous. N'oubliez pas, on cherche à lui donner rendez-vous dans un lieu public pour pouvoir transformer sa tête en passoire. Allez, quand faut y aller. Vous avez ma child. Justement, en rapport à ça, il y a eu comme un couac. On peut se voir ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Merde, j'ai fait péter le truc. Il y a peut-être une taupe parmi nous. On peut se voir ? À Piccadilly, ça tirait ? Surtout pas. Ça compte l'agent d'Albion là-bas. Oui, on peut se voir. Trafalgar Square, ça te va ? Qu'est-ce que t'en penses, Bagley ? Trafalgar Square, c'est optimal. Alors à juger. À très vite. Il s'est déconnecté. Ok, ok. Il faut qu'on parle à Child. Je veux une équipe prête à intervenir. C'est capital. Oui. Quoi ? C'est tout bon. Okay. Libère notre ami et Bagley t'envoie les infos. Let's go, on sort d'ici, de ce pont. Vous le récupérerez quand Richard sera mort. C'était pas ça notre deal. C'est toi qui vois. Très bien. En gage de confiance, je vais ordonner qu'on le dépose quelque part. Donc du coup, c'est elle qu'on... aucun effectif c'est pour elle qu'on soupçonnait, du coup, c'est alors pas elle. Alors dépêchez-vous c'est d'aller Malik, le récupérer quoi. Si vous tenez à le du revoir coup, Malik, en un seul morceau. Vas-y, tu peux sauter, hein. Je vais te faire un genou, là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, merde. Oh putain, il y a des flics de partout là, enlève ton arme. Range ton arme et ton casque et tout ça. Ça pue hein. Est-ce qu'on peut pas TP direct? Si, bien sûr. Oh la vache, mais c'est loin en plus. Trajet rapide. Let's go. Let's go. Let's go. Bon, Malik. Tes heures sont comptées. Ah non, maintenant c'est sauver l'agent de DedSec. Ah oui, bah oui, il faut que je bute Malik du coup, pour le sauver. Un scooter, s'il vous plaît. Moto ? Yes ! Elle est pas trop mal cette petite station de métro là, je l'aime bien. Oh, elle est blanche en plus ! Ça fera parfaitement l'affaire. Ça fera pas... Oui, mais il y en a une autre. Ça fera parfaitement l'affaire, comme tu dis tantôt. Pousse-toi du milieu, toi je t'écrase. Ça te serait plus long. Tac, ok. Bon, on doit pas être bien loin là. Ah bah on est juste à côté. Perfect. Alors c'est pas... Attends. Ah merde, c'est au-dessus ? C'est... Non. Si ? Non, c'est peut-être vers là plutôt. C'est où ? Ah non, c'est en dessous. What the fuck, je comprends pas. Quoi le délire, hein ? C'est où ? Par là peut-être ? Un petit passage quelque part ? Non, pas du tout. Ah, attends, c'est là, mais c'est où ? Ah
faut rentrer par là. Ah d'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est voilà que cette merde? Voilà notre ami kidnappé. Libérez-le et renvoyez-le vers la planque. Ah bah pas de soucis. Ah oh, c'est lequel vicieux en plus. Faut que je lui parle. Raconte. Raconte-moi ce qui t'est arrivé. Ça va? Eh ben, sacré truc. Ça fait du bien d'être libre. J'ai besoin d'une douche, là. Impeccable. Ok. Splendide. Dès qu'il sera de retour, je veillerai à lui fournir un joli slip tout propre. À présent, envoyons quelqu'un à Trafalgar Square. Ma moto est où? Je suis d'accord. Il est temps d'en finir. Je me retrouve au milieu de la rue sans moto. Ah, il y a un scout. Ça va. Ah, il est là. Il erre dans les rues. Après s'être fait un... On sait pas trop ce qui lui est arrivé. Il veut pas en parler. On peut taper un sang. Rejoindre Malik à Trafalgar Square. Où ça sent le coup de Trafalgar, hein, si je peux me permettre. Malik à Trafalgar Square, si ça sent pas le coup de Trafalgar. Emma Child veut vous parler. Ah bon? C'est bon, je vous vois. On récapitule le plan. Le Canada m'a offert un bureau de l'autre côté du square. Que je puisse garder un œil sur vous. Que Dieu bénisse le Commonwealth. Alors, voilà ce qu'il va se passer. Il y a 4 snipers couvrant la zone. Ici, ici, ici et là. Votre mission est de localiser Malik. Lorsque vous l'aurez trouvé, grattez-vous le sourcil. C'est pour confirmer la cible. Et comptez jusqu'à 2 et plongez au sol. D'accord. Mais tu vas pas me buter, moi, promis. J'ai vu de quoi ta bande était capable quand on lui marchait sur les pieds. Si vous ne m'embrouillez pas, je ne vous embrouille pas non plus. Ça marche. Ça va comme ça? Ça marche. Ok, excellent. Quoi KTP. Faut qu'on attende. Oula, y a l'air d'avoir des munes, y a beaucoup de... Grimper, non, je vais attendre. Ok. Je sens que... il va pas tarder. Aucun signe de Malik. Ligne de mire dégagée sur cette ordure de DedSec. Ils veulent me tirer dessus, les bâtards. Merde. Où il est passé? Il vient pas? Il nous a posé un lapin? Ou il sent la banane? Il sentirait pas un... Moi non plus, j'aime pas ça. Merde. J'ai pas de terminal fiable. Pirater des civils pour trouver Malik. Je vais en réclamer un. Patience, ça va être un peu long. Bagley, un peu d'aide là, tu veux bien? Oh, si seulement chaque habitant de Londres était forcé de porter un équipement de surveillance high-tech. Allez pirater des optiques pour voir si l'un d'eux a repéré la trace de Malik. Ouais, ça marche. Je vais examiner la mémoire de sa caméra piéton pour voir si j'ai des images de Malik. Oh. Fichier image. C'est lui, à côté de la poubelle. Soit il est en train d'installer une boîte morte, soit il veut manger pour pas cher. Il se passe quoi exactement? Merde. Je crois que Malik fait sa lessive. C'est une technique pour semer ses poursuivants. Quoi? Si c'est bien ça, cette boîte contient certainement un deuxième point de rendez-vous. On est repéré? Je ne pense pas. S'il se sentait menacé, il se serait déjà envolé. Je mets nos tireurs en attente le temps d'y voir plus clair. Je ne vois aucune vidéo ni aucune photo pertinente. Continuez. Extraction il fait que des données. Je fais que disparaître. Essayez quelqu'un d'autre. Il était là, non? Il est là, je crois. Non? Ah mais non, c'est une blonde. Rien à voir avec Malik. Malik n'est pas blonde. Faut faire gaffe parce que lui, depuis tout à l'heure, ça. C'est quoi ça? Une poubelle? Oh, incroyable. Oui? Ah, je suis. Putain, une bombe! Qu'est-ce qui se passe là? Tu croyais vraiment que j'allais me laisser berner par ce connard de Nigel Cass? Eh bien, j'ai fait en sorte qu'il enregistre cet entretien. Et figure-toi que j'ai aussi fait en sorte qu'Emma tombe dessus. Et maintenant, les forces de l'ordre ont tous les profils de ta bande. Alors, si tu veux rester en vie, couche-toi et mets les mains sur la tête. Bah oui, bien sûr, connasse! Non, non, on s'est mal compris. C'est juste pour éviter les projections. Oh! Ça va être la merde. Quoi? Genre c'est moi la cible? Non mais attends, s'il te plaît, j'étais venu manger un sandwich gros. Child était dans le bâtiment. Putain, c'est trop tard. Reste pas là. Attends. Ouais. Alors là, c'est même pas la peine de fight les potes. Je suis déjà griffu haut.
Mais attends, mais le monde, mais attends, mais t'es... C'est quoi ce bad? Y'a combien de flicailles à la su... Toi, toi, attends, 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 je voulais te demander un truc. T'as pas un chewing-gum, s'il te plaît? Oh ouais. What the fuck? Mais tu vas te calmer, toi. Oh putain, j'ai les drones au cul, j'ai les flics, j'ai la totale. Et il faut que je fasse quoi, là? Accélère, la voiture à James Bond, là. Comment tu veux que je perde les drones? Juste pour savoir. Ah bah non, comme ça, en fait. Ah non, pas du tout. Attends, mais c'est impossible, là. C'est cul. Les drones, ils vont pas me lâcher, faut que je le bute. Salut, ça va? Ah ouais. Et ça, c'est du nougat. Ok, j'ai trois flics derrière moi, j'ai plus de drones déjà. Oh putain, il y en a deux autres là, les drones. Merde, il faut pas que je passe les barrages. Je passe par les petites rues. Salut, ça va? Droite, droite, il n'y a pas de barrage. Droite, next. C'est pas mal, je suis en train de les semer. Ça va être chaud. Putain, il y en a en face. Ou pas, comme on dit. J'étais en train de les semer. Attention. Ah putain, il m'a vu le bâtard. Il y en a deux en face là-bas, mais c'est l'enfer, ils sont partout. Il y en a une en face encore. Je vais essayer de lui rentrer dedans. Ouais ben non. Tu peux éviter s'il te plaît. Putain, il y a un barrage là, je peux pas le prendre. C'est toi le pizzaïolo là. Oh, je suis en train de m'enfermer. Allez, ça descend, y'a plus personne. Ah, ils sont là-bas, ils vont me choper, ils sont en face. C'était sûr. Ils me voient pas, ça va s'arrêter, c'est ça quoi va s'arrêter. Vas-tu rechercher maintenant, mais je comprends pas pourquoi. J'ai eu trop de chat, je me suis enfermé dans un parc à la con. Je dirais que Malik ne bluffait pas. Nous faisons bien la une des journaux et y'a pas de quoi se vanter. Quel saloperie. Ah, si je pouvais sortir par là-bas au pire. Ok, Bagley, organise un débrief à la planque. Je veux voir tout le monde. Waouh. C'était Shogun. Yes! Mission accomplie, feu croisé. Attends, on peut recruter plein de gens ici, c'est incroyable. Mission commencée, le dossier Malik. On va arrêter la VOD pour YouTube ici. Merci ceux qui regardent sur YouTube, à demain pour la suivante.